Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la bonne entrée. Aujourd'hui on va faire un petit update sur le marché avant toute chose. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ça vous a plu. C'est pas grand chose pour vous, mais c'est énorme pour nous parce que ça permet de nous faire référencer et gagner en visibilité. Je vous remercie par avance. Et pour la chaîne YouTube, les commentaires que vous mettez, ça fait vraiment plaisir. Ça augmente vraiment notre référencement. Donc n'hésitez pas à continuer à booster les commentaires. Donc pour Bitcoin, je vous ai laissé les petits dessins que j'ai fait mercredi. Donc mercredi, dans notre analyse, on avait un petit peu d'avance par rapport au marché. Personnellement, moi, je pensais qu'on viendrait directement se loger ici. Et en fait, on est venu rechercher le bas juste avant. Et nous avons eu une belle confirmation haussière. Et c'est pour ça que le marché a bien pump par la suite. Ici, on a eu un rejet de cette zone de validation ici. Et après, c'est parti. Donc maintenant, le marché a fait... on va pas dire exactement ce que j'avais potentiellement prévu, mais on est dans notre range. Donc maintenant, la chose qu'il va falloir se dire, c'est on veut que le marché... Je vais juste effacer les trucs. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est voir le marché faire du volume dans cette zone, d'accord? Faire du volume ici, se trimballer ici et voir de l'absorption de bière. Et là, ça serait vraiment... très intéressant parce que ça voudrait dire que potentiellement on est en train de valider le prix et que vous avez des grosses baleines, des gros limites qui bloquent le prix parce que ils veulent pousser le marché beaucoup plus haut. Donc maintenant, notre zone vraiment clé pour aujourd'hui et même pour voir pour le week-end, hein, parce qu'on est vendredi. Et le vendredi, il ne se passe pas grand-chose parce qu'il y a le week-end qui arrive. Donc là, nous avons notre point clé, il est ici, c'est les 3800. Les 3800... Il faut que le marché vienne les retest, mais qu'il rejette instantanément. Il ne faut plus réintégrer cette zone. Si on réintègre ce range, eh ben ça voudrait dire que potentiellement Bitcoin n'a pas envie de pousser beaucoup plus haut. Mais ce qui serait bien, ça serait que dans le week-end, on vienne retester cette zone et on la rejette. Si on vient tester cette zone et on la rejette, c'est plutôt un signal plutôt fort et plutôt bull. Donc on va voir ce qui va se passer pour la journée. Est-ce qu'on trade le range ou est-ce que le truc va partir beaucoup plus haut tout de suite? Donc ça, on ne pourra pas le savoir. Mais maintenant, ce que nous, on veut voir, c'est des mecs qui se positionnent et qui bloquent le marché dans notre zone de validation que nous avons ici à ce niveau-là. Faites attention avec tout ce qui est XRP et tout ce qui va avec. Hier, j'ai vu des mecs mettre « ouais, ça y est, c'est le bull run et tout, calmez-vous, restez tranquille ». Quand ça sera le bull run, vous ne le saurez pas, vous aurez plus envie de tout vendre. C'est pas maintenant, ouais, calmez-vous. On peut être en début de bull run, possible, mais calmez-vous. En 2020, quand le bull run a commencé, personne n'avait envie d'acheter Bitcoin, d'accord? Donc quand ça sera le bull run, c'est quand vous n'aurez pas envie d'y acheter. Sûrement pas quand là vous êtes dans l'euphorie de vous dire oh, XRP ça y est c'est réglé, alors que XRP ça pue un peu la merde quand même. Donc calmez-vous. Donc voilà, pour BTC c'est plutôt quand même encourageant, on va pas se mentir que c'est encourageant parce qu'on a eu de l'absorption ici, on est venu retest, le marché ne voulait pas re-rentrer là-dedans, hop c'est reparti. Donc là maintenant ce qu'on veut voir c'est que le marché rentre dans cette zone ou potentiellement rejette ici et viennent se reloger ici. Ça serait une confirmation plutôt haussière pour Bitcoin. Donc, restons à l'affût. Si on réintègre le range, bon ben, voilà. Si on réintègre le range, bon ben, c'est pas pour maintenant. C'est pas maintenant que c'est boule. Mais si on ne le réintègre pas et qu'on le rejette, c'est plutôt intéressant. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. On se dit à dimanche pour le live. Allez, bisous. Message de la part de votre ami Jimestos. Oh my god, it's Jack.